Ma vendemmia piuttosto tarda. Et à l'époque, on faisait un peu de fermentation malolactique pour adoucir l'année, et là il y a 10% de fermentation malolactique. Et à l'époque, si è fatto un po' di malolattica, 10% di malolattica per smussarlo un po', arrotondarlo un po'. Voilà. Donc on a réduit ces dernières années, c'était l'outil que l'on utilisait, la fermentation malolactique, jusqu'à 10%, 15% pour adoucir les années. On l'a remplacé par la vinification du bois qui permet d'adoucir l'année sans faire la fermentation. Quella che una volta la fermentazione malolattica che ogni tanto veniva fatta per il 10-15% del vino è stata sostituita negli ultimi anni dalla fermentazione. La fermentazione malolattica serviva per addolcire, tra virgolette, il vino, arrotondarlo. È stata sostituita dal legno, dalla fermentazione di legno. Scusi. Parce que même 10-15% de fermentation malolactique apporte des arômes fumés, des arômes cuillés assez rapidement, qui font vieillir le vin. La malolattica porta degli aromi grillés, affumicati leggermente, che fanno invecchiare prima il vino, maturare prima. Et donc nous avons voulu ne pas faire appel à la fermentation malolactique pour rester encore plus près du terroir et plus haute définition dans la. Et quindi hanno voluto rinunciare alla malolattica per restare più vicini al terroir, alla tipicità dello champagne. Alors ici en termes de maturité, on a 10 ans sur l'acre. Qui per quanto riguarda la maturazione si hanno 10 anni su lieviti e 10 anni sur bouchon dégorgé e 10 anni in bottiglia su bottiglia decorciata. C'est pour nous l'équilibre idéal. L'equilibrio per loro perfetto, ideale. On commence à arriver sur des arômes. On commence à développer des arômes de vieux de champagne plus mûr. Comincia a sviluppare aromi di champagne più maturo. Là, plus toasté, plus grillé, plus presque un peu miel. Più grillé, grigliato. C'è un po' di miele. La texture s'élargit un peu. La texture s'élargit. Le volume, la stoffa, il volume in bocca si allarga. Lui dit amande. Amande, oui. Mandorle. Et c'est l'étape après, on connaît très bien aromatiquement le développement suivant, qui est vers le chocolat blanc. Et lo sviluppo seguente poi è verso il cioccolato bianco. Ensuite, boîte à cigare sud. Avanti, boîte à cigare. Cèdre. E poi dopo viene il profumo di cedro, di scatola di sigari. E ensuite la truffe. E poi la truffe. La blanche. Blanche, bien sûr. Alba. Non, le trouve dans le jardin. Bon, on va aller voir. Alba. Voilà, c'est un vin qui a 20 ans. Vino di 20 anni, questo. 19 ans. D'une fraîcheur, d'une maturité, c'est l'âge parfait. C'est l'età perfetta, che ha ampiezza, che ha maturità. Quando ha detto che ha dovuto rubarle di nascosto la cantina proprietaria, è vero. Nemmeno una bottiglia. Niente, sono peggio di molti altri. Che già. Je veux pas savoir. Si vous dites. Il m'ha domandé.